Yo les gars, c'est Ainsi, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pets Go et Pet Simulator. Aujourd'hui les gars, ça va être une double vidéo. On va faire en même temps un méga pack opening de 33 dés instantanés niveau 3, 1 million de pourcentage de chance, avec évidemment des cocktails, des blazing dice, des dice arc-en-ciel, rainbow, tout ce que vous voulez, des dés dorés et tout. Et en plus de ce méga pack opening sur Pets Go, on va retourner sur Pet Simulator parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo Pet Simulator. Ok les gars, dans cette méga vidéo, il va y avoir 10 huge à gagner, vous rêvez pas. Non mais les gars, c'est une dinguerie ou pas? 10 huge à gagner. Déjà de base, moi quand j'ai commencé les vidéos Pet Simulator, je vous faisais tout le temps des cadeaux. Je vous ai gagné des petits exclusifs et tout. Et plus les vidéos avancent, là les gars, maintenant je vous fais gagner un huge toutes les vidéos. Vraiment, ceux qui savent pas, à chaque vidéo il y a un huge à gagner. Et là aujourd'hui, je suis devenu fou les gars. 10 huge à gagner, mais vous le savez les gars, c'est pas pour rien. C'est grâce aux 10 000 abonnés, merci énormément à tous. Et du coup, pour les 10 000 abonnés, je me suis dit que j'allais faire gagner des huge. Du coup, t'es ma frère. J'ai au moins 200 huge. Regardez, j'en ai là. Là, j'en ai encore plein là. J'en ai équipé là. J'en ai là. Et du coup, les gars, vous allez choisir vous-même dans les commentaires le huge que vous voulez. Évidemment, ceux qui abusent et qui me demandent par exemple un huge shiny rainbow à 9 milliards de gemmes, bon, faut doser, faut doser. En tout cas, tous ceux qui disent des huge assez raisonnables et pas trop chers, eh ben, je vais vous les envoyer. Et donc, les gars, pour participer à cet énorme concours de 10 huge, vous allez devoir mettre votre pseudo en commentaire. Et cette fois, il n'y aura pas de code secret. Par contre, pour participer, vous allez devoir regarder la vidéo en entière et mettre un petit like. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Aujourd'hui, pas de code secret. Comme ça, vous pouvez profiter de la vidéo sans vous faire chier à trouver le code. Vous avez juste à regarder la vidéo en entière et à mettre un petit like. Donc voilà, faites-vous plaisir, profitez bien de la vidéo et les gars, bonne chance à tous. Et les gars, bien évidemment, je vais vous faire gagner des pets sur Pets Go. Et comme c'est une vidéo spéciale 10 000 abonnés, je vais pas vous faire gagner n'importe quoi les gars. Au lieu de vous faire gagner des petits trucs nuls à 100 000, 60 000, etc., je vais vous faire gagner mes meilleurs doubles et mes 3 meilleurs. On va commencer par... Alors attendez, je vais enlever tout ça. Hop, hop. On va commencer par mon meilleur double qui est le Kitsune Fox à 1 000. Il est incroyable en plus. Le deuxième que je vais vous faire gagner les gars, c'est mon deuxième double, le récolteuse sinistre, donc le Grim Keeper à 3,5 millions. Wesh, la dinguerie, j'espère d'être content les gars. Et le troisième double que j'ai, c'est le chat pirate. Faut savoir que c'est moi qui les ai paqués les gars, donc soyez contents. Le chat pirate à 4,6 millions. Donc voilà les pets de fou à gagner. Jamais 203, j'ai envie de vous dire. Et pour participer, c'est très simple, vous mettez votre pseudo Roblox et vous regardez bien la vidéo parce que sinon moi je vais aller pleurer dans le coin, regardez comme ça. Blablabla. Ah d'ailleurs, prochaine mise à jour à 350 000 likes. En tout cas, voilà les gars, les petits pets. Il faut savoir aussi que les abonnés, ils m'envoient plein de cadeaux, regardez, à donner aux abos. Il y a plein de trucs. Donc si vous voulez des pets que les abos ont envoyés, donc en général, ils envoient des trucs à moins de 1 million. Donc regardez, il y en a plein à 500 000, il y en a plein à 600 000, 200 000 et tout. Et bah si vous voulez, vous me dites, moi je veux lui et je vous l'envoie. Voilà, voilà, bonne chance. Bon les gars, la dernière fois j'avais dit que j'allais vous faire gagner des pets de Pets Go en fonction de ceux que vous n'avez pas. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a personne qui veut des pets. Ah voilà, enfin quelqu'un qui veut. Les gars, j'ai tiré au moins 10 personnes au sort et les gens, ils voulaient que des huge. Et personne voulait des pets de Pets Go. Du coup, Mané Asb, lui il en veut. Moi, mon max c'est 120 000, j'en veux bien en plus haut. Et bah je vais t'envoyer à toi parce que t'es le seul qui veut des pets. Genre vraiment, j'ai regardé depuis tout à l'heure dans tous les commentaires, frère, il y a plein de personnes, ils s'en battent les couilles des pets de Pets Go. Alors qu'en vrai, ils sont stylés quand même. Du coup, Mané Asb, tu m'as dit ton meilleur c'était 150 000. Et bah, tu sais quoi, je vais t'envoyer un Rich Cat, hop, à 750 000. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. En vrai, il est assez stylé. Et en plus, c'est le Bounty, regardez. C'est le Bounty en ce moment. Donc, je sais pas si tu vas gagner des récompenses. En tout cas, voilà, BG. Ok, les gars, c'est parti pour tirer au sort du coup le vainqueur du Huge. Et c'est Alain. Mon pseudo, ah mais lui il veut pas de huge, il veut un truc sur Pets Go. Et en plus elle a même pas mis le code secret. Fallait mettre le code secret Alain, t'aurais pu gagner un huge, c'est dommage. Antoine, salut, j'aimerais avoir le huge. Bah Antoine, t'as pas mis le code secret. Non mais les gars, vous faites exprès. Ensuite Abdallah, salut, je participe au concours, j'espère win un huge. Aujourd'hui je me suis fait scam. Bon bah encore une fois, elle a pas mis le code secret. T-Rex, moi je participe. Mon pseudo c'est Rex Junior, ok. Et bah lui, il a réussi à mettre le code secret. Putain les gars, franchement vous abusez. Là, vous aurez vraiment pu gagner des huge, mais vous avez pas mis le code secret. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important les gars. C'est très très important le code secret. Là, il y a 3 personnes qui ont loupé le huge, mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est Rex, j'envoie le huge de James. En tout cas, GG à toi mon petit Rex. Hop, un petit huge gratuit. Et tadam, cadeau envoyé. Et on participe directement au deuxième vainqueur, et c'est Netrox. Sinon tu peux assurer mon premier commentaire si tu veux, il y a le truc. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Mais bon, j'ai rien compris mon frérot.
vraiment, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave, parce que t'as quand même gagné un exclusif tie-dye dog qui est assez stylé, qui est même ultra stylé, qui est magnifique. Hop, gros GG à toi. Et le dernier vainqueur, c'est Alain. Ah bah encore Alain. Et bah Alain, tu sais quoi, vas-y. T'as été sélectionné 2 fois, je vais t'envoyer un petit cadeau. Hop, un petit flex 4. J'espère que ça fait plaisir. Gros GG à toi, Alain. Mais la prochaine fois, oublie pas le code secret, d'accord? Parce que s'il y a pas le code secret, il y a pas de huge. La mise à jour Pets Go, c'était vendredi, donc je l'ai fait en live sur YouTube. Par contre, la mise à jour Pet Simulator, et bah malheureusement les gars, j'étais pas chez moi, j'étais en week-end chez ma grand-mère. Du coup, je pouvais pas vous faire de live YouTube, donc c'est un petit peu triste. Mais bon, c'est pas grave. J'étais sur mon téléphone, j'ai un petit peu joué à la mise à jour. Et aujourd'hui, on va du coup se balader dans les backrooms. On va essayer de trouver des secrets, des Easter eggs et paquets des huge. Et en plus de Pet Simulator, je vous ai dit, on va faire ça, les petits dés. Du coup voilà, ça va être une double vidéo. Et bien évidemment, je vais en profiter les gars. En même temps de faire une double vidéo Pets Go et Pet Sim, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répondre à des petites questions des abonnés. Donc on va faire une FAQ. Donc voilà, en même temps, au lieu de parler, parce que vous savez d'habitude quand je fais mes vidéos, j'aime bien parler et raconter ma vie. Et bah là, tout simplement, on va faire une FAQ, je vais répondre à vos questions. Alors il y a eu pas mal de questions pour la FAQ, mais j'en ai retenu que 30. Donc 30, c'est quand même déjà beaucoup. Je vais essayer d'aller assez vite, vous inquiétez pas. Et c'est des questions en général que vous me posez beaucoup. Même s'il y a plein de questions que j'ai pas vues. Donc c'est un peu dommage. Si jamais je refais une FAQ un jour, et bah n'hésitez pas à reposer des questions. Au pire, poser des questions sur cette vidéo. Comme ça, dans un an, je prendrai des questions de cette vidéo. En tout cas, les gars, merci énormément encore pour les 10 000 abonnés. Franchement, ça me fait trop plaisir. Depuis que je suis tout petit, c'est l'un des objectifs. Mais je vous cache pas, en tant que mec qui veut faire des vidéos sur YouTube, le plus gros objectif après les 10 000, c'est pas les 1 million. 1 million, les gars, c'est tellement énorme. Moi, mon vrai objectif, c'est 100 000 pour qu'on ait le trophée YouTube. Et frère, si j'ai le trophée YouTube, les gars, je vais pouvoir le mettre dans le décor, je vais être tellement heureux. Et du coup, comme on est à 10 000 abonnés, on est à 1/10 des 100 000. Donc en vrai, on se rapproche petit à petit. Et en plus, on a déjà gagné une centaine d'abonnés depuis le dernier live. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et ça me fait très plaisir. En tout cas, les gars, c'est parti. On commence directement. Et avant de poser la première question, je vais déjà mettre toutes les potions. Alors, on va se mettre une potion de chance. On va se mettre une potion d'item, potion de coin. Potion d'item, potion de vitesse comme ça. On va se mettre 33 dés aussi. Hop, 10, 20, 30, 1, 2, 3. On va manger des petits fruits. Boum, 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 bam, bam, bam. Hop, les gars, je vous jure, on mange tout, on se met au max. On va prendre un cocktail. Et du coup, c'est parti. On boit directement tous les dés. Let's go. Et du coup, je vais prendre les questions sur ma gauche. Et c'est parti. Alors, première question. Est-ce que tu as déjà envisagé d'arrêter YouTube? Hop, on lance le premier dé, attention. Et... ok, ça commence tout doucement avec 50 000. Et du coup, est-ce que j'ai déjà envisagé d'arrêter YouTube? Alors non, jamais. Alors, en tout cas, pas arrêter en mode j'arrête pour toujours, mais j'ai déjà pensé à faire des petites pauses. J'en ai déjà fait, hein. Comme je suis pas payé par YouTube, les gars, ou en tout cas très peu, c'est pas genre je vis pas de YouTube, et bah c'est pour ça que j'ai déjà fait des petites pauses de YouTube pendant quelques mois. Mais en ce moment, je suis très actif sur YouTube et ça fait plaisir parce que je vois que vous aimez bien. Donc voilà pour la première question, j'ai jamais pensé d'arrêter. La deuxième question, les gars, et on rolls un dé directement, c'est est-ce que vous préférez les chats ou les chiens? Déjà, tu peux me tutoyer en vrai. Et moi, personnellement, je préfère les chiens. Voilà. En fait, les chats, ce qui est très bien avec eux, c'est qu'ils sont autonomes. Ça veut dire que si t'as un chat, tu peux le laisser faire sa vie et tout, se balader dehors. Alors qu'un chien, tu dois tout le temps lui donner de l'attention, donc c'est un peu chiant. Mais... si on parle uniquement en termes d'animal, moi je préfère les chiens personnellement. Ok, bah c'est parti, question suivante. Ok, pour la question suivante, c'est de la part de Matt. C'est vrai que j'ai pas dit c'était de la part de qui à chaque fois, mais bon, vous avez dans tous les cas à l'écran le commentaire. Et donc Matt, il nous dit déjà, incroyable la vidéo, et tu te vois sur YouTube dans 10 ans. Et bah oui. Après, 10 ans c'est beaucoup quand même. Mais franchement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après ça dépend, je vous dis je ferai pas les mêmes vidéos évidemment. Parce que dans 10 ans il y aura même plus Pet Simulator et Pets Go etc. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. En tout cas moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Ok, question suivante et c'est Cetan. Alors il nous dit, est-ce que pour la FAQ tu feras des lives avec d'autres Youtubers? Et bah franchement oui. Même live ou vidéo. Mais en fait le problème c'est que moi j'envoie pas de messages aux Youtubers pour leur demander de faire des feats. Donc c'est à eux de me demander. Ou alors peut-être un jour je vais DM des youtubeurs, on sait pas. Mais si jamais vous avez envie que je fasse des vidéos ou des lives avec des youtubeurs, n'hésitez pas à me demander et puis j'irai peut-être leur envoyer un message. Ok, question suivante. De la part de Iaral. Alors il nous demande des pets etc. Et ensuite question pour la FAQ. Combien est-ce que tu as mis d'argent sur Roblox?
Alors déjà, on s'attache un petit pet, 70 000, pas ouf. Et du coup, pour vous répondre à cette question, les gars, je vais directement vous montrer un screen de toutes mes transactions Roblox, hop, dans la dernière année. Ah ouais, mais c'est pas de tous les temps, du coup. Bon bah en tout cas, wesh, la dernière année, j'ai mis 125 000 dollars sur Roblox, ce qui correspond à peu près à... Ah ouais, c'est beaucoup, à 1 500 euros presque. Donc voilà les mecs. J'ai mis 1 500 balles en un an sur Roblox, sachant que je joue depuis bien plus d'un an. Donc voilà, ça fait beaucoup d'argent. Ok, question suivante de Louloute. Est-ce que tu préfères Pets Go ou Pet Simulator? Alors, en ce moment, je préfère Pets Go. Mais Pets Go, je pense moi personnellement que ça va pas durer à l'infini. Je pense que bientôt, les gens vont arrêter de jouer à Pets Go. Du coup, je sais pas sur le long terme ce que je préfère, parce que Pet Simulator, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, en ce moment, je préfère Pets Go. Donc voilà, j'ai pas vraiment de réponse. J'aime bien les deux. En ce moment, Pets Go, mais plus tard, Pets Simulator. Ok, les gars. Question suivante. Alors, c'est Gabriel qui nous demande quel âge a ton frère et est-ce que tu as une copine? Alors, mon tout petit frère, il doit avoir 13-14 ans à peu près. Ouais, je sais pas exactement. Et non, j'ai pas de copine, les mecs. Toujours pas, toujours pas. Mais un jour, vous inquiétez pas, je vais trouver pas une meuf qui joue à Roblox parce que sinon ça veut dire elle a 13 ans et après c'est bizarre et je vais finir en prison et tout, t'as capté, blablabla. Du coup, bizarre l'ambiance. Mais voilà, c'est un jour peut-être. Ok, question suivante. Et la question suivante, c'est de la part de Catherine. Bon, ça doit être sa maman. Depuis combien de temps joues-tu aux jeux vidéo? Et GG pour les 10 000 abonnés. Et bah merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci à toi, hein. Tu fais partie des 10 000, donc merci beaucoup. Et du coup, depuis combien de temps je joue aux jeux vidéo? Et bah je joue sur mon PC depuis à peu près, je dirais, la troisième ou la seconde, à l'école. Mais j'ai commencé quand j'étais tout petit sur déjà la 3DS, la PS Vita, la Wii U, Xbox 360, PS3, PS4. Donc vraiment depuis tout petit, hein. Trop petit, je pense au moins 10, de 10 à 13 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour ta petite question. D'ailleurs, il faut que j'accélère d'ouvrir. Tu sais quoi, on va mettre en auto-rolls parce que sinon on va jamais finir. Alors, Anti qui nous dit, je participe au pseudo Anti et j'ai eu que des pets nuls. Ouais, désolé BG. FAQ, si un jour tu arrives à avoir 100 000 abonnés, qu'est-ce que tu fais pour fêter ça? Alors, si jamais on a 100 000 abonnés avant la fin de Pet Simulator, je vous promets les gars de vous offrir un Titanic aux abonnés. Mais bah, je pense honnêtement que j'aurai pas les 100 000 avant Pet Simulator. Donc, Pet Simulator sera terminado avant que j'aie les 100 000. Donc malheureusement, ça sert à rien que je vous offre un pet Titanic si le jeu est finito. Mais pourquoi pas, hein. En tout cas, on verra dans le futur qu'est-ce que je peux vous offrir. Ensuite, il me reste 14 dés d'ailleurs, ça va vite. Tayflam qui nous dit, comment est-ce que tu as connu Pet Simulator? Comment j'ai connu Pet Simulator? Alors je crois, alors déjà de 1, je connais Pet Simulator depuis Pet Simulator X. Et Pet Simulator X, j'étais tombé dessus par hasard, je crois, sur Roblox, tu vois. Je cherchais des jeux sur Roblox et je suis tombé sur Pet Simulator X. Et sinon, le 99, j'ai été au courant qu'il est sorti grâce, je crois, à Guillaume et Kim. Ou alors, un peu avant. Je sais plus. Mais je sais que Guillaume et Kim, ils ont fait des vidéos sur Pet Simulator. Ah non, Polo aussi. Polo, les gars, il a fait des vidéos sur Pet Simulator il y a très longtemps. Il en a fait deux ou trois, je crois. Donc voilà, comment je connais Pet Simulator. Donc c'est un peu grâce à ces deux youtubeurs. Mais Pet Simulator X, en tout cas, je connaissais depuis longtemps. Ok, question suivante. Et c'est la question 11. De la part de Nekao, YoNSQ, est-ce que tu vas faire des feats avec des youtubeurs? Alors c'était presque comme la question de tout à l'heure avec les lives. Et du coup oui, je pense en faire, mais il faut juste que je les contacte ou que eux ils me contactent. Et pour l'instant bah on s'est pas contacté. Donc en tout cas dites-moi les youtubeurs que vous voulez que je feat avec. Et puis peut-être que let's go un bounty. Et peut-être que je vais leur envoyer des messages et on fera des feats. Attends, j'ai eu un bounty. Par contre les gars, on n'en parle pas assez. Oh, double bounty! On n'en parle pas assez, mais pour l'instant, l'opening pue sa mère. Je suis vraiment désolé. En tout cas, j'ai eu les deux bounties, c'est incroyable. Je suis vraiment désolé, gars, l'opening, il est vraiment gaze. Ok, on continue. Question suivante. Pour la vidéo FAQ, pourquoi tu as choisi Pet Simulator et pas un autre jeu? Alors, c'est très simple. Faut savoir que je fais des vidéos depuis ultra longtemps sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder. J'ai plus de 2 000-3 000 vidéos sur YouTube. Et je fais des vidéos de base qui me plaisent. Ça veut dire, si vous regardez sur ma chaîne, vous allez trouver n'importe quoi. Genre, vous allez trouver plein 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 de jeux vidéo, de tout et n'importe quoi. J'ai eu une période Fortnite où je faisais beaucoup de Fortnite. Je sais pas s'il y en a qui me connaissent encore depuis Fortnite. En tout cas, je fais vraiment toutes les vidéos que j'aime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé une chaîne secondaire pour pouvoir bah, justement créer
toutes les vidéos que j'ai envie sur la chaîne secondaire pour pas vous embêter, tu vois. Parce que si là je sortirais des vidéos par exemple Genshin Impact, Fortnite et tout, je sais qu'il y en a, ça va les embêter, même Brawl Stars. Et du coup, bah, cette chaîne principale, les gars, j'ai décidé que pour l'instant ça serait que du Pet Simulator. Peut-être qu'un jour ça changera, et je pense que oui. Mais pour l'instant, en tout cas, ça restera Pet Simulator pendant quelques temps. Donc voilà, les gars. Ok, la question suivante, et il ne reste que 3D. Question de Enzo pour la FAQ, quand as-tu commencé Roblox? Alors Roblox, j'ai commencé il y a à peu près... Ah ouais, mais c'était il y a longtemps. Je crois que c'était il y a plus de 5 ans, même plus peut-être. Faudrait que je retrouve la date, je vous dirai. En tout cas, j'ai commencé il y a très très longtemps quand j'étais petit, mais j'y jouais pas non plus tout le temps, tu vois. Je jouais de temps en temps à Roblox, chill, mais j'ai principalement vraiment tryhard il y a pas longtemps là. Du coup, avec Pet Simulator, Blocks Free un petit peu, etc. Donc voilà les gars, ça fait plaisir. Et du coup, le dernier dé pour la dernière question avant de changer de jeu, et c'est Nazox, est-ce que tu as un chien ou un chat? C'est parti, on roll le dernier dé. Et... purée, j'ai vraiment eu pas de chance. Regardez tout ce que j'ai rolls. Regardez, princesse, et j'ai eu que de la merde. Franchement, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie, les gars. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut pas s'en faire une petite dernière de petites potions, là? Vite fait. Je crois que j'en ai plus, hein. Ah, si. Oh, je peux en faire 5 dernières. Oh, la luck de fou. Oh, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Ok, c'est parti. Hop, faut que je les mette avant, je suis bête. Du coup, est-ce que j'ai un chien ou un chat? Eh bah, figure-toi que j'ai un... un chien, tout simplement. Ok, on va roll les 5 derniers. Hop, et pour la peine, je vous fais une petite question bonus avant d'aller sur Pet Simulator. Et c'est Jimmy. Wesh, mon petit gars, sale. Ouais, bon, lui, il dit que des conneries. Est-ce que tu vas faire des vidéos hors Pet Simulator 99 mais pas sur la chaîne secondaire? Et bah, ça dépend de vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos que Pet Simulator sur ma chaîne principale? Par exemple, oh, le nouveau Pet. Par exemple, les gars, du Brawl Stars, est-ce que ça vous intéresse si je fais du Brawl Stars sur ma chaîne? Voilà, c'est à vous de me dire. D'ailleurs, on va se mettre la dernière potion, hop, en rouge, potion arc-en-ciel, potion, hop. Du coup, voilà, vous me dites si vous voulez que je fasse des vidéos hors Pet Simulator sur la chaîne principale, par exemple du Roblox. Non, du Brawl Stars, pardon, je me suis trompé. En tout cas, c'est parti, 3, 2, 1, le dernier avant de changer de jeu. Et purée, le Bounty, c'est cool, mais bon, malheureusement... ça aurait été un méga flop ce pack opening et je suis dégoûté. C'est pas grave les gars, c'est comme ça. Et on change directement de jeu, on va sur Pet Simulator. Ok les gars, c'est parti, on est directement sur Pet Simulator. On va tester un petit peu la mise à jour en même temps de répondre à des questions. Désolé, j'avais pas de huge ou d'exclusif. Mais pourquoi tu t'excuses? Déjà tu me fais un cadeau, c'est très gentil. Cadeau, j'arrête le jeu parce que j'ai plus de huge. Mais du coup, je te donne un huge. Attends, quoi? J'ai pas compris. Quoi? What the fuck? Attends, mais il m'a donné un truc de malade là. J'arrête le jeu parce que j'ai plus quoi? Ah, t'as plus tout tes huge. Cadeau, la même histoire. À lui, les deux autres values, c'est pas les mêmes que sur internet. What the fuck? Attends, mais. Non, mais je crois. Les values, elles sont buggées ou pas? Les gars, dites-moi en commentaire si le rap il est buggé. Je crois le rap il est buggé, c'est pas possible. Pour 1 milliard. En tout cas, bah merci énormément, BG. Mais 1 milliard, what the fuck? En tout cas, bah on va continuer de répondre à nos questions, les gars. Et on va faire la mise à jour Halloween. Elle est juste à droite, vous inquiétez pas. Mais du coup, je mets quelques pets, hop, et l'index, ça me donne beaucoup de diamants. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler de la technique, donc allez regarder. Très important, ceux qui veulent faire la technique, hop, voilà. Ok, c'est parti. On va directement dans les backrooms. Et la question, c'est de Jacob qui nous dit, c'est quoi ton sport préféré? Alors, pendant un long moment, j'aimais beaucoup le foot, comme tout le monde. Mais je vais pas vous mytho, le foot, j'aime plus trop. Même si c'est cool, hein, en vrai de vrai. Mais du coup, j'aime beaucoup. Mais du coup, les gars, j'aime beaucoup, en vrai, le judo, c'est pas mal. Ok, c'est parti, on est directement dans les backrooms, on va explorer un petit peu, en même temps de répondre à des questions. Hop, et du coup, la question suivante, c'est la question de Nathan, qui nous dit, yo, pour la FAQ, quels sont tes gros projets à l'avenir? Alors, et il me dit aussi, GG, pour les 10 000, road to 100 000, merci beaucoup, let's go. Du coup, mes gros projets à l'avenir, alors, j'ai pas de gros projets, en mode, j'ai des idées de concept incroyables et tout. Je vais pas vous les dire bien sûr, sinon ça va vous gâcher la surprise. Mais j'ai pas des en mode énorme projet de fou. Je pense que je vais attendre plutôt que ma chaîne grandisse pour pouvoir vous proposer des gros projets. Parce que pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas encore assez sur la chaîne pour que je dépense mon argent pour vous faire des projets énormes. En fait, moi je pars du principe que quand t'as une petite chaîne YouTube, il faut d'abord commencer à essayer de l'agrandir plutôt que vouloir faire des choses énormes directes. Parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Imaginez, genre, vous faites une vidéo qui vous coûte, je sais pas, par exemple, 1000 euros de production, et qu'au final, la vidéo, elle fait même pas 100 vues.
Et bah au final, tu auras dépensé ton argent pour rien, tu auras même pas gagné de visibilité et tu auras perdu ton argent en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de faire attention et d'abord prioriser d'agrandir votre communauté. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas de gros projets tout de suite, mais je les garde pour plus tard. Et du coup bah je peux pas te les dire. Dommage. La question suivante, c'est de Mamen qui nous dit je préfère Pets Go. Oui, ok. Et il a une question pour la FAQ. C'était quoi ta première console? Alors j'y ai presque répondu tout à l'heure. Mais je sais pas exactement. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes premières consoles, les gars, j'avais une toute petite DS. J'avais aussi une Game Boy, mais c'était à mon père et il n'y avait pas de jeu dessus. Je crois qu'il y avait un seul jeu. Donc j'y ai très peu joué. J'ai eu un PC, mais un PC portable de familial un peu. Pas ouf, pas ouf. On pouvait rien jouer dessus. Et sinon, bah, j'ai eu une PS Vita quand j'étais tout petit. J'ai eu une 3DS et tout. Enfin voilà, c'était mes vraies premières petites consoles. Mais du coup, je les ai plus actuellement, donc c'est un peu triste. La question suivante, c'est de David. RIP, je voulais le huge. D'ailleurs, David, les gars, c'est lui qui avait gagné le Pets de Pets Go. Et comme il a été tiré en premier, je lui ai offert un Pets Pets Go. Et malheureusement, il aurait pu gagner le huge, donc il était un peu triste, donc je suis désolé. Et pour la FAQ, il m'a dit. Oh, c'est quoi ça? Ah, il y a un truc secret en dessous. On va essayer de le casser. Du coup, pour la FAQ, il m'a dit. Pourquoi ou pour qui est-ce que tu as rejoint YouTube? Alors déjà, pour qui, c'est pour personne ou pour moi ou alors pour moi-même. Hein. J'ai rejoint YouTube pour personne ou moi-même. Et pourquoi j'ai rejoint YouTube? C'est très simple, c'est parce que j'aime trop en fait. Je sais pas vraiment exactement pourquoi j'ai envie de faire des vidéos. Genre, c'est quoi la raison qui me pousse à faire des vidéos? Mais en fait, j'aime trop genre jouer aux jeux vidéo et en même temps vous partager. Bah, les gameplays, je sais pas, je trouve ça trop bien. Du coup, voilà, aussi simple que ça. Par contre, là, je suis bloqué ici pour toujours ou quoi? On va retourner au spawn. Du coup, voilà, genre, j'adore trop faire des vidéos en fait. La question suivante de The. Tu penses faire des vidéos IRL? Est-ce que je pense faire des vidéos IRL? Eh bah oui, sachez que oui. Malheureusement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour faire des grosses vidéos, j'attends d'agrandir ma communauté. Ça veut dire là, pour l'instant, je pense. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais si je fais une vidéo IRL par exemple demain, personnellement moi, je pense que genre ça va flop frère. Après ça dépend si elle est bien montée, bien travaillée, que le concept il est assez bien et tout. Mais en vrai de vrai, moi j'ai peur que je fasse une vidéo IRL frère, ça flop de baiser. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord qu'on va agrandir la commu. Et dès qu'on a une grande communauté, et bah on va faire des bonnes vidéos IRL, vous inquiétez pas. On va faire des concepts de fou, ça se trouve, on va faire du Pet Simulator IRL, ça va être trop drôle. J'ai plein d'idées. Mais du coup, faudra attendre un peu les mecs. D'ailleurs, en parlant de communauté, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On a une grosse communauté là-dessus. C'est trop bien. Les gens, ils parlent tous les jours. Je connais presque tout le serveur. Enfin, en tout cas, je connais ceux qui parlent. Tous ceux qui parlent pas, je les connais pas, mais on va ouvrir un peu d'œufs d'ailleurs. Alors, question suivante. Adam, ça sera quoi la collaboration de tes rêves? Animé, jeu, marque, etc. Ah, j'ai cru qu'il me parlait de mon feed de rêve. Mais tu sais quoi, je vais rajouter une question. Mon feed de rêve en termes de youtubeurs, bah, juste les youtubeurs que j'aime bien. Par exemple, je sais pas moi, les youtubeurs gaming, comme j'ai déjà dit, Polo, tout ça. Moi, je kifferais en vrai. Même, je sais pas, du Inox et tout. En fait, tous les youtubeurs que je regarde, j'aimerais bien. Mais du coup, en termes de collab, donc en termes de placement de produits, qui m'a dit, en vrai de vrai, moi, j'aimerais bien faire des collabs Roblox. Brawl Stars, pourquoi pas. Fortnite aussi, ce serait incroyable. Donc ça, c'est les jeux que j'aimerais bien. Après, il y a des jeux que j'aime beaucoup aussi, mais que vous connaissez pas forcément, donc pas sûr que ça vous plairait. En tout cas, voilà. Et il m'a dit aussi animé. Alors animé, bah moi en vrai, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, tu vois des trucs comme ça serait pas mal. Du coup, voilà les gars, mes petites collabs de rêve. Ensuite, Sarah qui nous dit FAQ, c'est quoi ton huge le plus cher que tu as sur PES99? Ah bah ça tombe bien que tu me demandes ça parce qu'on est actuellement sur PES99. Alors on va regarder ensemble. Ah mais j'en ai trop. Ouais mais je crois qu'en plus c'est celui qu'on vient de me donner. L'hypomelon à 1,5 milliard. Je crois pas j'ai plus que ça. Mais après est-ce que le rap il est buggé? Là vous savez quoi les gars? Vous me direz en commentaire. Est-ce que le rap il est buggé de ce pets? En tout cas moi c'est pour l'instant celui qui vaut le plus cher. Vu que c'est un abonné qui me l'a donné. Ok on continue de se balader un peu. On va trouver des dingueries j'espère. Oh, stylé la petite truc de potion. FAQ, English or Spanish? English or Spanish? Et bah moi, English. Wesh, pourquoi mon perso il bouge plus? The first qui move, il gay. Oh putain, oh, je dis que de la merde.
Oh purée. En plus, j'ai tout whip-in. J'ai tout whip-in. Bon bref, vous avez compris la blague, les gars. Ouais, j'attends. Ouais, j'ai des bruits bizarres ici. Alors, question suivante de la part de Rex. Pour la vidéo FAQ. Ok, pour la vidéo FAQ, qu'est-ce qu'il nous a dit de beau? Est-ce que tu peux nous présenter ton setup? Ah merde, pourquoi j'ai mis ça dans la FAQ? Moi, je suis bête. Comment je vous présente mon setup? Alors, je vais vous dire à l'oral. Si jamais vous voyez une petite vidéo ou image sur le montage, ça veut dire que je l'ai rajouté. Et sinon, ça veut dire que j'ai eu la flemme. En tout cas, mon setup, j'ai juste un clavier Corsair, une souris ROCAT et deux écrans Samsung. Voilà, aussi simple que ça. Et mon PC, je crois que c'est. Je sais plus la marque. Ah si, MSI, je crois. Voilà, les gars. Je vous ai tout dit. Ensuite, on continue. Question suivante. Par contre, là, on est de retour à la case départ. À quelle version de Pet Simulator t'as commencé? Perso, moi, c'est Pet Simulator X. Alors, moi aussi, c'est Pet Simulator X que j'ai commencé. Mais on va plutôt parler, pas de Pet Simulator X, je vais plutôt vous parler de Pet Simulator 99. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous pouvez trouver des très vieilles vidéos Pet Simulator. Même, il y en a certaines que j'ai rajoutées plus tard et tout avec du montage, donc c'est assez drôle. J'avais rajouté, je me rappelle, un extrait d'une autre vidéo, enfin bref. En tout cas, j'avais commencé, je crois, à la version un peu vers, je sais pas, entre janvier et je sais plus, hein, 2023 en tout cas, mais début 2023, bah je sais plus les frères. Je sais juste, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'était qu'il y avait le meilleur pets, c'était, je crois, les pets un peu en mode Halloween. Genre, je sais plus, vas-y, je sais plus, je sais plus, je suis désolé. Au pire, je chercherai au montage. Question suivante de Sidou. Bien joué, de fou. Bah merci beaucoup, c'est trop gentil. Et FAQ, tu comptes montrer ta tête? Et bah je l'ai déjà montré, les gars. J'ai déjà fait plein de facecam en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça que je vous dis, venez sur Twitch, les gars. Déjà, on fait des jeux de fou. Même la dernière fois, la mise à jour Pet Simulator, comme je l'ai pas fait sur YouTube, je l'ai fait sur Twitch à 20h, vu que je l'avais loupé sur YouTube. Donc vraiment, venez sur Twitch. En plus, on fait des jeux trop bien. La dernière fois, on a même fait des jeux d'horreur. On a fait des concepts de fou. Donc vraiment, venez, venez. Même, je fais du Brawl Stars tout le temps, les gars, sur Twitch, très très souvent. Je fais du aussi Fortnite, du Bloxfree, donc vraiment, vous attendez quoi? En plus, c'est gratuit, Twitch, vous avez aucune excuse, venez, les gars. Je vous rappelle, tous les soirs, 20h30, live Twitch. Mais du coup, oui, je fais des fois des facecam sur Twitch. En général, c'est quand je fais des jeux IRL ou des trucs, ou je sais pas. J'ai déjà fait plus d'une dizaine de facecam, donc vraiment, je sais pas ce que vous attendez pour venir. En tout cas, si vous parlez d'une facecam YouTube, ça risque pas d'arriver tout de suite, parce que, la plupart des youtubeurs Petim. Oh oh. La plupart des youtubeurs Petim, ils ont même pas de facecam, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, à l'avenir, vous inquiétez pas. Pourquoi pas. Hop, ok, question suivante. Déjà, on va allumer, hop, le feu. Non, allumer les lettres. Vous avez bien aimé la blague? Pas mal, pas mal. Hop, S, C, A, ensuite R, boum, et le E qui est par là. Alors, FAQ. Est-ce que tu vas faire beaucoup de concours sur certains jeux et lesquels? Alors, faut savoir que je vais souvent gagner des choses, parce que j'aime bien vous remercier. Vous me donnez de la force, donc je vous en donne aussi. La dernière fois, j'ai fait gagner un pass de combat sur Fortnite. La vidéo, elle va bientôt sortir sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller regarder. J'ai donné du coup un pass de combat à Fortnite. J'ai donné des huge à toutes les vidéos, même s'il y en a certains, c'est les abonnés qui me les passent pour les abonnés. Donc c'est gentil, hein. Je vais pas refuser, hein. S'il y en a qui veulent donner des huge, ils peuvent. Et du coup, le prochain concours, c'est aujourd'hui pour la FAQ. Il y a 1 milliard de huge à gagner, donc participez tous, bonne chance. Et je crois, les gars, que c'était la dernière question. On va retourner au spawn, hop. Wesh, je tombe dans le vide. Donc voilà, les gars. C'était une FAQ plutôt longue, avec des questions en vrai assez basiques et assez cool. Il n'y avait pas de questions trop perso, donc ça va. En tout cas, j'espère que ça vous a énormément plu. N'oubliez pas, les gars, s'il vous plaît, pour me soutenir, le petit pouce bleu, l'abonnement, les commentaires, tout ça. Et puis voilà. Bisous, bisous, bisous.